Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah bi sanadin hasan, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abi, il tournait autour de la Kaaba et il dit que ton odeur est bonne et pure. Il tourne autour de la Kaaba, cet endroit sacré. Et il dit que ton odeur est bonne et pure. Et il dit par Allah, le croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. Est-ce que tu oserais porter atteinte à la Kaaba? Est-ce que tu oserais insulter la Kaaba? Est-ce que tu oserais critiquer la Kaaba? Est-ce que tu oserais physiquement aller t'attaquer à la Kaaba? Eh bien, sache que le faire auprès de ton frère, vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur, c'est encore plus grave.